et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous rassemblons pour ce quatrième dimanche de l'Avent qui se situe à quelques jours de cette immense fête solennité de Noël. Nous pouvons encore accueillir cette messe comme une dernière étape de notre route vers le Christ, vers Noël, vers l'enfant de la crèche, pour nous préparer encore à cette venue du Christ. Pendant cette messe, deux prêtres donneront le sacrement de la réconciliation, le Père Clause, le Père Payeur, sur les côtés. Pendant toute la messe, vous pouvez vous confesser. Je voudrais accueillir avec beaucoup de joie le groupe Saint-François d'Assise, le groupe Sainte-Claire d'Assise, les deux groupes SUF de Chalonnais, on va dire, qui viennent avec la paroisse célébrer ce dimanche de l'Avent. Bienvenue à vous tous, vous êtes nombreux ainsi que vos parents. Vous l'aurez vu aussi sur la feuille, nous avons la joie d'accueillir Mathieu Ruger ainsi que Iris Barrios qui vont se fiancer aujourd'hui. J'aurai la joie de bénir leurs fiançailles à l'issue de la messe. Bienvenue à eux et à leur famille bien connue. Frères et sœurs, nous entrons dans cette dernière messe de l'Avent en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Avec
Lecture du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfant dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. Nathan répondit au roi : Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le tronc, pour que tu sois le chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai. Il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Amen.
révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence. Mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel. Mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur.
Dieu s'invite en personne dans une famille, dans un couple de fiancés, il y a 20 siècles, Marie et Joseph. Cette phrase, elle suffirait largement pour qu'on nous dise « mais vous êtes complètement fou ». Le créateur de la nature, créateur de l'homme, créateur des cieux, de l'univers, s'inviterait-il dans une famille, dans un couple de fiancés? Cela est quand même énorme, et pourtant, voilà l'histoire que la liturgie nous dit aujourd'hui. Dieu s'invite dans un couple. Le surnaturel, c'est-à-dire ce qui touche à Dieu, s'invite dans ce qu'il y a de plus ordinaire des fiancés, un couple. Dieu choisit de venir recréer toute notre humanité en la visitant de fond en comble, d'embryon à adulte. Dieu va se faire petit embryon jusqu'à mourir à l'âge de 33 ans. Dieu décide de revisiter tout l'homme en s'invitant chez un couple. Incroyable histoire de Noël dont nous avons déjà un avant-goût aujourd'hui. Alors regardons de près les acteurs. Vous avez vu, il y a cet ange, l'ange Gabriel. Et je dis souvent en confession, n'hésitez pas à confier votre journée à votre ange gardien. Ici, c'est un ange très important, l'ange Gabriel, qui vient visiter Marie pour lui dire « Tu es choisi pour être dans ton corps le berceau de Dieu en personne. Tu es choisi. » Et Marie, comme toutes les femmes juives de son époque, espérait peut-être secrètement être cette femme choisie qui donnerait au monde le Messie, le Sauveur. Aussi que Marie, toute surprise, exprime son émotion, elle est bouleversée, elle craint un peu, et l'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, Jésus, le Sauveur. » Alors nous pourrions très bien écouter cette histoire comme une histoire un peu lointaine, une histoire merveilleuse, un peu comme un conte, une histoire qui est arrivée il y a 20 siècles. Or, cette histoire, elle est pour nous. Pourquoi elle est pour nous? Parce que Marie a bien des choses à nous dire. Marie, elle est celle qui est prête, et Joseph va également suivre cette aventure. Marie et Joseph sont prêts à ce que dans leur famille, toute naissante, intervient le surnaturel. Vous voyez, le surnaturel s'invite dans le naturel. Et la question qui pourrait vous être posée, à nous, Noël, c'est un moment extrêmement privilégié pour nos familles. Familles, nos chères familles, nos fratries, avec leur beauté, avec leur humanité parfois abîmée, avec leurs histoires parfois douloureuses. Eh bien, en ces jours où nous nous préparons à être en famille, voilà comme un exemple qui nous est donné d'une famille que Dieu visite. Et la question que l'on pourrait se poser, c'est au fond, mais est-ce que dans ma fratrie, dans ma famille, je suis comme Marie, prêt à ce que le surnaturel entre, frappe à la porte? Est-ce que je suis prêt aux visites de Dieu? Nous savons bien qu'il y a parfois des choses douloureuses dans les familles, des trucs qui traînent, des histoires de succession mal digérées, des histoires de chaises et de commodes, des histoires de jalousie, d'envie, des pardons qui n'auraient pas été donnés, des choses qui ont été mal comprises, des malentendus. La liste est longue parce que le démon aime diviser la famille qui est si sacrée. Eh bien, est-ce que nous sommes prêts, en cette veille de Noël, à faire un grand pas en disant « Seigneur, un peu comme Marie et comme Joseph, viens visiter grand ma famille. Je suis prêt à t'accueillir, à accueillir tes cadeaux. Je suis prêt aussi à ce que tu me donnes la grâce de pardonner à tel ou tel parent, à tel ou tel frère avec lesquels je suis un peu
en difficulté. Frères et sœurs, aujourd'hui, quand on entend cette visitation de l'ange à Marie, nous pouvons nous demander dans le secret de notre cœur, est-ce que à ces quelques jours de Noël, je suis prêt, est-ce que j'ai le désir que l'Esprit Saint vienne visiter mon couple, ma famille, ma fratrie? Posons-nous cette question. Dans ce passage absolument magnifique de la visite de l'ange à Marie, il y a cette phrase extraordinaire. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Certes, nous pouvons traverser des croix qui nous semblent comme des espèces de murs sur nos routes. Nous pouvons avoir des deuils douloureux, nous pouvons avoir des épreuves physiques, connaître un handicap. Et pourtant, cet ange nous dit « rien n'est impossible à Dieu ». Au sens que, dans toute croix, dans toute difficulté, dans toute amertume, Dieu est capable de tracer un chemin, de tracer une piste, de dégager ce qui est douloureux pour faire son chemin. Rien n'est impossible à Dieu. Et Élisabeth en est la preuve. Élisabeth, cette cousine de Marie, qui dans sa vieillesse attend un enfant. Étonnante grossesse chez une femme âgée. Et pourtant, cette grossesse manifeste cette incroyable et débordante bonté de Dieu. Voilà, frères et sœurs, cet évangile de la visitation par l'ange vous invite à ces deux questions. Comment j'aborde Noël avec ma famille? Est-ce que j'arrive un peu crispé, un peu fermé, en me disant « bon, il faut passer par là, et tant pis, on ne parlera pas des sujets qui fâchent » Ou est-ce que je me prépare à Noël en mettant ma main dans la main de Dieu, dans la main du Christ, en me disant « mais c'est toi qui fais ma famille, comme nous l'avons entendu dans cette première lecture, c'est toi qui crée la maison ». Pourrions également commenter ce magnifique passage du livre de Samuel. Qui bâtit la maison? Qui bâtit la maison? Qui bâtit la famille? Qui bâtit le couple? Qui bâtit la fratrie? Sinon Dieu lui-même, si on lui laisse la place. Ainsi, les deux questions que nous pouvons se poser en conclusion, c'est est-ce que j'aborde Noël un peu crispé? Ou est-ce que je dis oui Seigneur, viens me visiter? Et la deuxième question, est-ce que j'ai déjà un peu plié bagage en me disant finalement tout est foutu? Ou est-ce que, avec l'ange, je répète, non, rien n'est impossible à Dieu? Amen. Le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce quatrième dimanche de l'Avent, nous nous apprêtons à fêter Noël. Nous implorons la miséricorde de Jésus-Christ pour qu'il apporte le salut au monde et à nos familles. Payer cette facture. Merci beaucoup.
tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps, le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Et dont tu connais la droiture, nous te prions. Confions-nous.
prions à Dieu. Michel, défaite. Nous prions pour Lilette Jobard. Prions pour Gérard Devet, ses parents, sa sœur. Pour William et Marie-Antoinette Thomas. Pour Bernard et Michel. Reçois-les dans ton royaume. Et nous confions aussi Mathieu, Ruger et Pyrrhus qui vont se fiancer aujourd'hui. Confions cette messe d'action de grâce pour eux. Reçois-nous tous dans ton royaume, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Hashtag. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai
Ensemble, nous prions. Seigneur, nous avons reçu dans ton sacrement le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Voilà, donc les paparines de la voûte vous remercient de votre générosité. Les messes de Noël sont clairement indiquées dans vos feuilles bleues, les horaires et les lieux. J'attire votre attention sur le week-end Amour et Vérité. Il reste encore quelques places pour s'inscrire à ce magnifique cycle destiné à la vie du couple. Nous portons dans notre prière Clotilde, qui va prononcer un flot tout à l'heure, son flot vert, je crois, la cure Saint-Côme. Prions aussi, nous restons en prière avec tout le mouvement scout ici rassemblé. Et puis naturellement, eh bien, je confie à votre prière les fiançailles dans quelques instants de Mathieu et de Iris. Je vous inviterai d'ailleurs à ne pas trop tarder à quitter l'église pour que ces fiançailles ne soient pas dans un brouhaha sympathique. Voilà, une petite annonce. Bonjour à tous. Comme vous le voyez, ce sont les scouts qui animent la messe. Et à la fin de la messe, il va y avoir le chant de promesse. Et à la fin du carnet, ceux qui connaissent peuvent chanter avec nous. Ce n'est pas fini. Juste un petit mot pour remercier les paroissiens de nous avoir accueillis. Merci aux chefs et aux chefs-têtes qui ont aidé à animer et préparer. Et tout à la joie d'être rassemblés, nous voudrions prendre une photo sur le parvis du groupe. Donc en sortant rapidement pour laisser la place aux fiançailles, ne partez pas trop loin, on se donne rendez-vous sur le parvis tous les scouts. Merci. Voilà Stéphanie et Rémi Marlin qui sont responsables du groupe Saint-François. Et Patrick et Christine Bourreau du groupe Sainte-Claire, avec des équipes autour d'eux. Ah, bah très bien, oui. Juste pour vous donner des consignes, les scouts, les éclaveurs vont partir en premier, ensuite les guides, ensuite les meutes, et ensuite les ronds. L'idéal est de faire ça rapidement. Dès que vous êtes sur le parvis, vous retournez en branche, vous prenez la photo très vite pour ne pas gêner les fiançailles et pour ne pas retenir les familles trop longtemps. Donc les maîtrises, je compte sur vous, les éclaveurs vont partir. Merci. Je pense que les fiancés ne sont pas gênés ayant été eux-mêmes scouts et chefs scouts. Voilà, nous concluons par une bénédiction solennelle. Pour ceux qui commencent à s'endormir, c'est le moment de répondre Amen avec joie, dynamisme et enthousiasme. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu, son Père, vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.